Présente-toi. placé. Maintenant, quand t'es prêt, tu me le dis. Je suis prêt. Ah, c'est bon, parfait. 2 secondes. Lance déjà la partie, parce que, hein, comme tu peux voir, ça prend longtemps pour... Voilà. 3, 2, 1. Yo tout le monde, comment allez-vous? Je suis Salindo, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau live commentary, comme je vous ai déjà présenté la dernière fois avec Lucia. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois avec notre cher ami Yukisa sur Duel F4. Yo Yukisa, comment tu vas? Ça va ou quoi? Je vais très bien, merci, et toi? Ouais, ça va, parfait. Donc comme je le disais, on se retrouve sur du Halo 4, qui est un FPS pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui existe depuis un bout de temps. Et moi que tu nous en parles un petit peu, Yukisa? Ouais, bah déjà, le principe de Halo, c'est des personnes avec une armure, mais je sais un peu pourquoi l'armure et tout ça, mais on va pas rentrer dans les détails. Et alors, bah, il faut tuer les aliens ça, parce qu'ils nous envahissent au début, et il faut détruire l'anneau, enfin ça c'est mon histoire, détruire l'anneau qui s'appelle le Halo justement, qui est le principe du jeu, parce qu'autrement c'est une arme très puissante qui peut détruire des planètes entières et tout ça en un coup. Donc voilà, après c'est tellement d'histoires comme ça quoi, qui est parti de Halo 1 à Halo 4 pour le moment. À fond. Mais moi perso, Halo, au début, je voulais pas y jouer parce que je me disais, ouais, Alien, c'était pas trop mon délire quoi. Parce que moi perso, j'étais plus un mec qui jouait plus à des FPS, genre du Call of Duty ou même du Battlefield. Et quand j'ai vu, ben, Halo, je pense même que c'est toi qui me l'as fait découvrir. Parce que, Ouais, avec difficilement, Halo 3, je ce qu'on est dans crois. la vraie vie, ça fait longtemps. Même avant le 1 et le 2, on avait joué ensemble. Lorsque Ah ouais, je lorsqu'on avait parlé crois, du Halo, de ce délire. Ça me plaisait pas trop, mais après, quand j'ai commencé à y jouer et vu les modes de jeu qu'ils pouvaient proposer dessus, il n'y a rien à dire, c'est vraiment un FPS qui a vraiment sa puissance et sa qualité. On s'y amuse vraiment sur ce jeu, et c'est ça qui est terrible, il n'y a rien à dire. Je sais pas toi, ça, ouais. Ouais, ça, c'est il est vraiment un excellent. bon jeu. Bah, déjà, je trouve déjà un truc, maintenant c'est mon avis personnel, dans les types FPS, déjà les types qui sont plus comme justement à l'heure de ça, la campagne est beaucoup moins bien, je trouve qu'elle est moins prenante déjà parce que c'est plus réaliste et tout ça, que dans du, comme du déjà Halo, Gears of War, si tu connais tout ça, le Ouais. jeu justement où le mode histoire, je trouve qu'il fallait beaucoup plus loin et tout ça, où tu peux faire des millions de jeux sans jamais finir parce que des aliens, tu peux mettre plein de planètes et tout Ouais. ça, quoi, ça finira jamais quoi, quoi que ce soit. Maintenant, Faut voilà, il y en a qui aiment pas maintenant, c'est que c'est goût quoi. Ouais, Même là, ça peut mais rien à parler. dire, il est puissant ce jeu. C'est excellent. Ouais. Maintenant, pour en revenir un petit peu au gameplay en lui-même, on est sur un mode de jeu qui est vraiment Le principe, c'est 2 équipes. En fait, c'est un petit peu, mais là, t'as marqué, GG. T'as pris le Merci, ballon, ouais. t'as été direct, c'est même pas vu partir. Non. Pour en revenir plus au gameplay, c'est un petit mélange de basket et de baseball. Il y a 2 équipes. Ah, on est en tête, génial. Allez, le ballon. Ah, c'est moi qui l'ai. Donc, comme je dis, il y a 2 équipes. Il y a 2 goals. Il y en a un là-bas, rouge, vous voyez sur mon écran. Et il y en a un là-bas, le bleu, qui est le nôtre. En l'occurrence, nous, on est le bleu. Et le but, c'est qu'il y a une personne qui a le ballon. Là, c'est moi qui l'ai. Et le but c'est que je dois aller et je dois mettre la balle là dans les ennemis. Ils ont une massée, une épée, et ils doivent me tuer. Ils doivent tuer plus de points de vie. Et on peut faire des passes, le but c'est de se marquer. Soit vous êtes comme moi, bam, vous foncez, vous faites des 360, vous courez tout droit. Ah! Et tu J'ai meurs? voulu. J'aurais pas dû faire 360, j'ai trop sous-estimé. Ou alors vous jouez en passe avec tout le monde. Regardez là, celui-là, là, il essaie de me narguer. Il a son pote. Vas-y, je vais te mettre le pote. Mais là, son pote, putain, ils sont là. Parti. Il m'a mis une de ses droites. Putain, il t'a enchaîné toi aussi. Vas-y, Ouais, laisse pas tu m'as partir, on va fait. se le faire. Les gars, chargez. Tu Ah as trois là, t'as trouvé ouais. dessus. Il m'a donné le ballon, le con. Bon. Vas-y, Mais t'es où? tu es Ah, à bout. je suis tombé. Ah, putain. Oh, comme j'ai fail. Ah, Ah, mais moi là. putain, comme j'ai fail. Tu confies avec le Ouais. ballon? Ouais, je suis tombé, regarde, ça regarde, c'est pas. Oh, excusez. Ah putain, trop fort. Et ouais, et c'est ça que je kiffe dans ce jeu, c'est vraiment qu'on s'amuse vraiment, même dans d'autres modes de jeu plus standard, comme des matchs à mort, ben on s'amuse vraiment. Vas-y, le mec là il a aucune chance. Vas-y, j'ai le ballon. Vas-y, cette fois je crois que je vais jouer. Ah, regardez, bam, je le passe. C'est mort. Bam, bam. Pish. Oui, et oui. Eh, j'ai marqué. Et Et c'est voilà. Et là, le on est à 3. La Je foule vous t'a fais délié. direct à fond avec ça. Et le but, bah, c'est de marquer, bien sûr, c'est ça cool. C'est très cool. Bon, on peut vraiment s'amuser. Allez-y dans ce mode de jeu avec 4 personnes, c'est terrible. En tout cas, je conseille vraiment aux personnes qui n'ont pas ce jeu, moi je conseille vraiment de l'acheter. Je sais pas, tiens, mais rien à dire. Ah, ça, moi C'est d'abord surtout, pareil. surtout si vous êtes sur 360 sur Xbox, c'est vraiment une exclusivité.
Xbox quoi. La réalité. Ouais. Il est mais trop trip-hop. Mais je pense, t'as dit des conneries, qu'ils allaient faire sortir qu'un Halo sur PlayStation 2 justement, et c'est le 2, parce qu'en fait ils voulaient tester, je pense qu'ils avaient racheté je sais pas quoi, mais qu'il n'avait pas marché justement, et après alors ils ont plus le prix. Et quand il était plus jeune, il y avait justement un Halo 2 qui était sur PlayStation dans un magasin, et je sais pas si c'était piraté ou quoi ou que ce soit, mais en tout cas il y avait ce jeu là quoi, c'était là. Je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, ceux qui ont la PlayStation et qui ont vu vraiment le temps de... Il y a de ces trucs, un de ces mains. En tout cas, ceux qui verront sur mon écran et puis... Parce que, ah oui aussi, pour ceux qui n'ont pas vu notre première vidéo, déjà on vous conseille d'aller la voir. C'est, on se met justement dans un principe de... Ouais, c'est fini. De chacun... Ah c'est déjà... Non, c'est pas encore fini. On se met sur un principe de chacun fait une vidéo. Non, c'est juste que c'est... De chacun fait une de son côté. Et après, bah, vous regardez d'un côté de l'autre. Et vous avez deux vues différentes. Ici, en l'occurrence, vous verrez. Et peut-être que certains qui regarderont, bah, les, par exemple tes abonnés qui savent, qui regardent tes vidéos, ils voient certaines choses, les mêmes verront d'autres. Et c'est pour ça que je vais mettre le lien de la vidéo de lui qui savent, parce que vous pourrez bien sûr aller la voir. Vas-y, il a eu une chance le pauvre. Ah, il veut me tuer. Moi c'est justement un principe que j'aime bien, justement ça d'être vu. Je trouve ça assez bien. Et... Ouais, c'est cool, ça peut partager. On l'a gagné. Ouais, voilà, c'est parfait. Oh ouais, voilà. Bon, on continue ou... Ouais, on va... 8 minutes. On va encore match, proposer un petit gameplay à tes abonnés et à mes abonnés. Ouais. En tout cas, si vous aimez bien mes vidéos à moi, allez voir les vidéos à Tanidob, parce que c'est plus ou moins la même chose que moi, on peut dire. Pareil. Tu fais des types FPS et tout ça aussi comme moi, non? C'est exact, je fais FPS, du GTA, voilà. Un peu tout, j'ai vraiment pas envie de me reformer sur celle-ci comme certains le font. Pareil. J'aime beaucoup. Mais j'avoue, il y a beaucoup de Call of. Ça, c'est vrai. Bah moi il y a beaucoup de codeurs et tout ça, mais ça va, ça va être surtout du FPS quoi, bah, parce que mes abonnés, allez voir ses vidéos et abonnez-vous à sa chaîne, parce qu'il pareil, mes abonnés, allez voir, il propose vraiment de très bons contenu. Moi perso, je me suis directement abonné dès que j'ai vu, j'aime beaucoup ce que tu fais, et mes abonnés, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, je vous mettrai le lien dans la description, allez la voir. Et aussi pour reparler un petit peu de ce jeu, la puissance c'est vraiment le mode histoire. Hein. Parce que quand on voit dans d'autres jeux, le mode histoire des fois il n'est pas vraiment fait pour ça. Par exemple dans les Call of Duty qu'il y a, j'aimerais savoir qui fait le mode campagne pour faire le mode campagne. Bah moi Sérieux parce que moi je la connais pas beaucoup. Moi perso, la campagne je l'ai fait jamais sur les jeux tels que Call of Duty ou même Battlefield. Je go directement en mode en ligne. Et je trouve que ces jeux-là ils sont vraiment adaptés pour ça aussi. Je pense qu'ils sont surtout faits pour ça. Et c'est là qu'ils ont la puissance. Mais sur Halo, c'est les deux, je trouve. Je trouve que sur Halo, moi, c'est les deux, perso. Ils accentuent la puissance au niveau du monde en ligne, mais aussi au niveau du mode histoire. Oh non, ça est nul, cette partie. Putain, les pauvres. Eh ben, l'équilibre. Ça, c'est le problème qu'on pourrait reprocher à Halo. C'est de ne pas faire des équipes équilibrées. C'est tout le temps comme ça. Hein. Ils ont souvent un équipe à nous, pas dans leur équipe, pas. Non, c'est à 4 ou 2. À fond. Lorsque vous avez un match, jusqu'à il y a 5 personnes dans le salon. Ah, 5 personnes. Ok, on va faire du 4 contre 1, les gars. Je te jure que c'est vraiment ça. Ouais, c'est comme ça. Hein. Enfin, c'est leur problème. On est bien rouge. J'espère que ça va quand même aller pour eux. Non, en fait, j'espère pas. On va les niquer. J'ai passé niveau quand même. Je suis 83. Ah, GG. Moi, je suis qu'un petit noob. Niveau 3 de 4, faut pas faire attention. Je suis pas un PGM du jeu. Mais je m'amuse vraiment, mais vraiment dans ce jeu. Et j'ai vraiment envie de mettre l'accent sur ce point. C'est vraiment l'amusement. Parce qu'on s'amuse sur ce jeu. Là, j'ai fait là, mais je croyais que j'avais la balle, elle avait m'envolé. Mais non. C'est l'autre qui l'a, putain, il vous a tous tué. Il a pris. Voilà mon gros. Il est tout le mec, hein. Putain, le mec, il est vénère. Il va tomber comme toi. Il va tomber comme toi. Qui crève sa rage. Eh, moi, je vais te tuer, elle m'en fout. Non, dégage. Vas-y, dégage, je vais te croquer. Vas-y, regarde ça, mec. Vas-y, dégage. Tu es tombé au bout. Viens, petit, j'ai un secret, il dit ça. Ouais, une table moi. Il a plus de temps pour avoir la balle. Non. Vas-y, je vais tu peux spoiler, prenez la balle, vous le marquez. Vous êtes allez, il est contre toi, donne-la moi. Comment ce ballon. Je pense que je pouvais trahir. Ah. Non, c'est pas drôle de trahir, faut pas trahir. Là, je le nard. Il y a pas de petit coup, tiens. Enfin, après, tu nars. La passe. Je suis alpha, bêta, bêta, gamma, extrême, un bâtard. Ouais, regarde, attends, tu fais chier. Vas-y, reste là, on va tenter la technique. T'es où? Vas-y, tu es mort. Bah, cours et marre, bêta, comme attends, je suis en train de les troller. C'est un match. C'est un match, il vas-y, regarde ça.
Très clair, hein. Oh merde, comme j'ai fait. J'ai fait mal à train de troller, mais là j'ai trop fait. Game nard le con. Crève sa race. Ça joue à passer tout là. Ouais, bah normal, il y a mais ils savent pas faire de fun. Des phases, ils savent pas faire de fun. En fait, c'est un français, c'est comme un vidéo, arrête de me narguer. Allez, faut lui dire, au mec, hein. Genre, le mec là. 360. Bam. Oh, 360. Oh my god. Oh my god. Ça, c'est les Américains, parce que tu trickshot et tu fais 360. Oh my god. Oh my god. This is one. Elle a envie de marquer comme ça pour niveau de match. Bon bah voilà, bah, le match c'est fini. On fait quoi là? On continue encore une petite vidéo? C'est là, on a 4-12 là. Vas-y, pas de soucis. C'est parti, elle était pas trop fun là. C'est vrai que cette partie elle était fort lente. On va continuer, continuons. Hein. De toute façon, tant qu'on s'amuse, c'est ça le principal, hein, on n'est pas pressé. Le jeu, allô, il est vraiment génial. En plus, je crois qu'ils ont fait un film hein, sur ce jeu. Il y a eu un mini film, mais j'ai jamais vu personnellement. Non. Mais je sais pas. Et je sais pas de quoi il parle de ça. Mais je sais pas, t'as aussi le truc là, Red vs Blue là, qui était sur Halo OnePlus, je crois que ça s'appelle. Je sais plus Red le nom. C'est une application qui est sur Xbox. Uh-huh. Et en fait, tu peux. Et ça te dit un peu ce qu'il y a tout ça. C'est comme ça que j'ai eu une armure gratuite, même grâce à Halo OnePlus, parce que mon cousin m'a passé des comptes justement pour une armure. C'est et en cool, fait, pour, justement, ce qui est marrant justement avec ça, c'est qu'en quelque sorte, ils ont créé un peu leur. Leur mot, parce qu'en fait ils ont mis des versions on va dire alien pour refaire le code, t'as plusieurs symboles alien, ça peut et il faut que tu les mêmes pour refaire avoir l'armure en fait. Ah ouais, terrible. Et ça m'a fait un peu marrer, c'est un peu débile, mais bon voilà, c'est un petit truc qui m'a fait un peu marrer, je trouvais ça bien fait. Et là dessus justement, je sais pas comment ça se fait, mais il y a des séries qui s'appellent Red vs Blue, et c'est des gens qui parlent mais ça en anglais quoi, comment ils comprennent pas bien l'anglais, ben je les garde pas, mais en tout cas il y en a plein qui regardent, c'est une série assez connu je pense quand même, enfin je sais qui joue à Halo du moins. Moi parce que je connaissais pas, tu viens de m'apprendre un bon truc là, mais c'est cool. Et aussi, ce qu'on pourrait dire à tes abonnés et à mes abonnés, c'est que moi-même on a décidé de s'unir pour vous proposer certaines séries qui vont arriver. On va pas encore vous dire c'est sur quoi, vous avez déjà vu la première série qui était sur GTA pour ceux qui n'ont pas vu. Allez la voir, je vous jure, vous allez rigoler parce que c'était vraiment. On s'est bien amusé en faisant cette vidéo. Mais on a l'intention de vous proposer 10 différentes séries sur différents jeux. Donc préparez-vous, ça va arriver. Elles seront sur la chaîne de Yukisa et sur ma chaîne. Donc voilà, c'était juste pour vous dire quand même, pour vous prévenir que ça allait arriver. Quoi. Et si vous venez voir ma vidéo dans une autre couche qui n'est pas la salle 2, vous le direz tout. Comme ça, vous venez voir mes vidéos. J'essaie de mettre un petit peu de suspense, c'est toi, enfoiré, tu niques comme ça tout le système, va. Enflure, va. Ouais, non, mais je te fais pas confiance. En plus, avec ta couleur blanche et grise, là, genre, monsieur, t'es dans le jeu. Moi, j'ai un couteau. Mais rien à voir. Genre, le mec, quoi, avec ta couleur blanche, blanche. Ouais, espèce de raciste, je vois ailleurs. T'es homophobe, connard, va. Qu'est-ce que... Ah, là, t'as fait un changement, je me demande bien ce que t'as bien pu faire avec ta couleur blanche. Ouh, rouge et noir cette fois. Voilà. T'es content? Excuse-moi, ça va, je veux plus t'ennuyer. En tout cas, la partie, le salon, il dure un petit peu. Au pire, on pourrait aussi leur montrer un autre. Mais on pourrait lancer aussi sur un autre mode de jeu. Pour voir. Tu veux pas ça? Ouais, vas-y. Mais sur quel mode de jeu? Pareil, choisis un bon mode de jeu qui. Attends, moi je sais pas pourquoi ils m'ont fait. Il y a un mode de jeu ici qui est terrible et qui je pense que par exemple Call of Duty devrait vraiment prendre, c'est des parties où ce que c'est only sniper. On pourrait leur proposer ça. Je fais sur quoi maintenant? Only sniper. Ça c'est vraiment un mode de jeu qui est excellent. Et si Call of pouvait le prendre, ça serait vraiment génial. Parce que moi perso je suis sur Call of Duty, je suis un joueur. J'adore le mode sniper, même si je joue pas tout le temps, mais j'adore jouer avec, j'adore quand il y a des parties sniper. Bon, il y a toujours un ou deux qui club pour venir faire chier. Mais si Call of ou même d'autres jeux là, qui sont terribles en mode en ligne, pouvaient prendre un tel mode de jeu et le faire, ce serait vraiment génial, il y a rien à dire. Hein. Je sais pas toi ce que t'en penses. Surtout que je trouve que j'aime bien aller tout ça, mais justement le sniper, de là je trouve un peu... Sur Halo, enfin, j'avoue, sur Halo il est pas terrible. Mais en même temps, s'ils mettraient plus dur le sniper sur Halo et qu'il est très armes comme elles sont là maintenant, il y a pas rien qui joue au sniper parce que quand tu vois les mitraillettes, elles sont bien plus précises, tout ça, c'est vraiment basé sur un peu le barbarisme, on va dire quand même. C'est vraiment pour rentrer du rôle dedans et tout ça.
Alors voilà, mais je préfère vraiment le sniper comme, que là, pardon, je trouve plus le nom. Ouais, pareil. Je t'ai pas mis dans le nom. J'avoue que c'est pas vraiment le point fort. Sur Halo, c'est pas du tout les snipers, mais je pense pas qu'ils ont fait ce jeu surtout pour faire vraiment réaliste. Mais ils ont d'autres avantages tels que les accessoires et les atouts qu'ils peuvent avoir, comme voler ou quoi que ce soit. Complexe, aïe. Complexe pour les joueurs qui ne jouent pas, qui connaissent pas Halo. Sur le Halo 4, Complexe est une des meilleures maps qui existent. Hein. Ça y a rien à dire, elle est terrible cette map. Et pour expliquer un petit peu l'équipe sniper, c'est tout simple. Deux équipes, des snipers. C'est du only sniper, c'est vraiment un bon mode de jeu, quoi. À fond, j'avoue. Voilà, regarde, un peu le type là, le quatrième là. Le quatrième, je sais pas, mais niveau combien? Niveau 117. Ouais, 117, 110, il est dans l'autre équipe. Ah ouais, c'est l'armure. Du Master Chief, ouais. Ah ouais. Et ben justement, pour avoir celle-là. Je connais même plus mon personnage, vas-y, continue. Master Chief. Et pour avoir cette armure-là, il faut avoir fini le monde en légendaire, quoi. Mm-hmm. La campagne, quoi. Et après, on l'a directement. À fond, mais. En plus, ce qui est bien, c'est qu'ici, les modes campagne et tout ça, on peut vraiment les faire à deux, les faire en ligne à deux, ça c'est vraiment cool. Mais tu te rappelles pas, sur Halo Reach, quand je jouais avec les autres souvent, à un moment donné, là, ouais. On était carrément à quatre dans le mode campagne. Hein. Ouais, et ça donne vraiment de la puissance au jeu, je trouve ça vraiment original. Voilà, on pourrait vous proposer... c'est les snipers des aliens. Ça, j'avoue que c'est pas terrible. On va pas vraiment. Ma sensibilité elle est bizarre là, je vais vite fait la régler. La manette, sensibilité caméra. Ouais, yo. On est qui là? C'est ça, ma chibour. Il y a 3 ennemis devant moi et j'ai fait. Cette map. Je me fais attaquer. Putain, je me suis fait buter. Je sais pas. Mais les maps. Regarde. Ah ouais, voilà. Ouais. Attends, parle, tu veux dire pas? Lorsque tu regardes les détails de la map, regarde juste les décors et tout, c'est vraiment extraordinaire. Les détails. Moi, je kiffe. Moi, lorsque je vois ça, sérieux, ça. Putain, je me fais attaquer. Moi, déjà, pour vous dire, madame, je l'aime un peu, pour parler un peu, pour lancer la discussion. Mm-hmm. C'est qu'en fait, il y a la Japan Expo en Belgique, justement. Et la première partie que j'ai fait avec mon sujet, c'était justement sur cette map-là, en 1v1. Et j'ai pris sniper, j'ai fait un scénoscope parce qu'on n'avait pas filmé, j'ai bien voulu filmer justement ça. Et tous les gens qui nous regardent, enfin il y a pas beaucoup de gens qui nous regardaient, mais qui nous regardaient un peu jouer, ben j'étais même choqué parce que j'avais vraiment pas voulu et j'ai tiré une balle justement en plus. C'est pas facile, tu sais pas jouer ici comme tu jouerais sur Call of Duty. Moi perso je suis pas du tout un gros joueur d'Halo. Là, j'ai fait un kill, ça fait exprès, je pense. Mais vraiment, les joueurs qui jouent ici, là, actuellement, dans ce mode de jeu, c'est vraiment des gens qui jouent tout le temps. Regarde, putain, moi, je fais mais vraiment la partie de merde. Je me fais. La personne a rien à dire. Hein. Excellent, t'es bon. Je ne peux que le complimenter tellement que je kiffe ce jeu. Et s'il vous plaît, c'est votre faute, en tout cas, c'est pas la mienne. Bon, par ça, je fais. Tu sais quoi, je vais aller à la mode barbare. Y'a plus sur toi. Allez, tiens. Voilà, parce que lui, il me fait chier un peu, lui. C'est bon, je me le suis fait. Bah, un truc que je trouve qu'il y a bien dans ce jeu, c'est parce que déjà, tu ça pour pas. C'est le fait que déjà, on peut dire qu'il n'y a pas tellement de trucs pour camper. On peut dire. Parce que même si t'es en haut, que t'es au-dessus ou t'es avantagé, on peut tuer comme de plein d'endroits. Est-ce que. Vas-y, c'est continue. Ok, il m'a tué. Déjà, j'étais pris dans un combat là. Et justement, je trouve ça déjà bien. C'est en fait, même quand t'es au-dessus, t'es pas trop avantagé parce que n'importe qui peut quand même te tuer de n'importe où. Voilà, il y a vraiment pas de cachette. Et même si tu restes justement dans un bâtiment, c'est pas comme ça, c'est pas pour ça que t'auras avantage. Ouais, c'est ça. C'est grâce à la vie, déjà. À fond, ça je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai qu'ici, tu verras pas les campeurs comme il y a par exemple d'autres sur des Call of Ou là c'est. Ou ça tue vraiment le jeu parce que. Les jeux de Call of Duty, moi perso, j'adore ce qu'ils font. Pareil. Mais ce qui me fait chier avec ces jeux là, c'est vraiment les campeurs et tout ce genre de personnes qui faut dire ce qu'il y a, tue le jeu. Parce que c'est vraiment eux qui détruit ce jeu. Et c'est ça la puissance de ce jeu, c'est qu'il n'y a pas tant d'humeur comme ça et que c'est vraiment cool quoi. Rien à dire. Bah justement. Il y a peut-être aussi le principe, enfin, maintenant parce que
Quand tu gâtes un peu le... Il est où le mi? Attends, désolé. Je suis en train de me faire tuer, je pense. Je sais pas ce qui se passe. Voilà, il m'a tué, puis c'est un assassinat. Voilà, bref. Quand tu gâtes en fait ce color, quand tu gâtes bien sur code 4, en fait, enfin M2VS, quand tu gâtes, il n'y avait pas tellement le ratio, tout ça, qui t'a... que tu voyais, tu vois. Et là, bien par moi, parce que moi, j'ai pas commencé là-dessus, mais j'ai acheté tout ça. Il y avait déjà beaucoup moins de rageux apparemment. Et à mon avis, moi, enfin maintenant c'est mon avis, c'est peut-être en fait, tout ce qu'il y a que le ratio partout, tout ça, et tout ça, puis sur le salon, tu peux voir le ratio des gens et tout ça, qui mettent des gens qui veulent camper pour montrer à leurs amis ou même à tout le monde qu'ils jouent bien en fait. Mais qui comprennent pas, c'est de camper justement, c'est. Enfin, moi je trouve ça vraiment laid, c'est vraiment horrible comme ça. Tout le monde, hein, je pense que tout le monde. Et c'est ça surtout qui exaspère surtout les joueurs de Call of Duty, c'est campeurs de merde quoi. Faut vraiment chier. Même rien à dire. Call of, ça reste Call of, ça reste un magnifique jeu. Mais voilà. Ouais, moi j'adore hein, parce que c'est sûr que. Personnellement, je suis fan de BO quoi. Ah pareil. Ah, rien à dire. Quand tu vois en plus avec avec le mode zombie et tout ça. Ouais. Mais apparemment, j'ai appris. Mais ça c'est pas sûr. Faut que j'aille me renseigner, que j'en parle dans une de mes vidéos prochainement. C'est que... Ouh putain, le headshot. Bah... Ouais, pas de gros mots. C'est ce qu'il dit. J'ai fait... Ouais, c'est vrai. Pas de gros mots, espèce de trou de balle. Elle m'a fait ta crédibilité. J'ai fait, tu sais, headshot, c'est un truc de fou. Je vais lui dire quoi. Je suis en train de parler. Ah ouais, je t'ai parlé de... Que j'ai entendu dire. Normalement, c'est une fois Infinity War qui sort en jeu, donc un NBW ou un Ghost. Puis c'est une fois Treyarch. Et bah apparemment, cette fois, ce sera ni l'un ni l'autre, donc il n'y aura pas de BO3. Il se pourrait que ce soit un autre développeur. Je veux pas trop en parler pour ne pas raconter trop de conneries. Et je m'en renseignerai, je reparlerai dans une de mes futures vidéos. Mais je trouve que ça peut être dommage, mais bon. Je veux pas trop vite parler maintenant. Voilà. On va attendre que... qui au moins une petite démo ou un truc qui sort du jeu. Et en même temps, c'est déjà l'année passée aussi, on parlait de ça justement, il faut vraiment au dernier moment parce que ça trouve qu'il va des faux streamers juste pour... C'est vrai. Mais pour juste pour voir qu'on sache quel jeu vont sortir ça, quoi, pour garder un peu le suspense. Quoi. Ouais, mais tu sais que pour BO2, il disait... Il y avait une rumeur comme quoi c'était BO2 qui allait sortir, BO2, les gens disaient non, c'est pas BO2, c'est des conneries, tu sais qu'est-ce que pour finir, il est quand même sorti, quoi. Donc on sait jamais, bref, on verra ça au moment venu, lorsque il y aura toutes les démos et tous les trucs qui sortiront. Mais la map elle est grande, ici les maps elles sont grandes, mais malgré tout ça a aussi leur charme. Parce que pour cette adaptation du mode du jeu, je trouve que ça fait leur puissance. Hein. Parce que ce qu'on regarde sur Ghost, c'est sûr qu'il y a des grosses maps, mais là ça fait pas la puissance. Vu le mode de jeu et tout ça... Je sais pas ce que t'en penses toi. Ouais t'as oh putain le mec il t'a violé. Mais t'as pas dit que t'as violé tout le monde. Il est tombé moi en fait. Je sais pas ce qu'on va faire. T'as jeté par terre. Et c'est bon, j'ai terminé. Voilà. Bon bah on a perdu. Merci à tous et à toutes. Voilà, moi je veux même pas regarder parce que je me suis fait tuer. Merci fait à tous. Ouais, ça c'est sûr. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à nous dire ce que vous pensez. Et n'hésitez surtout pas à aller voir la chaîne de Yukisa. Moi, parce que je conseille à tous mes abonnés d'aller faire retour. Je vous mettrai la description sur les liens. Et t'as quelque chose aussi, à dire à tous mes abonnés à regarder mes vidéos. Ouais, à tous mes abonnés de regarder mes vidéos parce qu'elles sont vraiment bien. D'aller voir. Ok, là j'ai un peu de confronte. À tous mes abonnés, allez voir vraiment ces vidéos, elles sont super bien et tout ça. Alors allez. Maintenant je vais dire au revoir à tout le monde. Okay. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Yukisa, ciao, à une prochaine. Ouais, peace tout le monde.